J'ai bien une bouteille d'eau quelque part. Ah oui, elle est là. Allez, c'est parti, donc on doit aller faire la guerre. La ligue du Péloponnèse. Ah, c'est celle que je suis en train de faire, je crois. 5-6, c'est ça. Et après, c'est que des niveaux 50. Hein. Allons faire la guerre, mon colonel. Je cherche. Toi, c'est toi. Viens t'aider, pauvre idiot. Pas après ce que tu as fait. Le roi qui t'avoue que ce pas m'envoie vous aider à vous emparer de la nation. Votre confiance. Mon point, chien de mercenaire. Les dieux me punissent en m'imposant en présence. Si j'étais ta permission, tu serais déjà mort. Pourquoi les rois vont envoyer? Du calme, Stentor. Je suis là en tant qu'un guerrier de Sparte, et de toi. Ton aide en Mégaris a peut-être offert la région à Sparte, mais j'y ai fait un peu trop. Je n'aurais pas fait faire confiance. Tu devrais remercier les dieux de ma peau. Tu me dois la côte au tourment, tu t'étiens. Tu n'es pas un seul. Alors, tu n'es pas là. On verra. Il y a quatre champions béotiens qui se battent pour les aides. Aristaïos. Je te dis qu'on va trouver ce qui va être facile. Le vide sera réglé. Parti à assassiner les champions. Et on va commencer par elle. Allez,
très jolie musique, mais elle fait pas très grec, je trouve. Hein. C'est là. Et voilà la puissance de la chasse. Ok, ça c'est réglé. Ensuite, allez. 2000 km. Forcément, la zone où j'ai rien. Génial. Et là, c'est parti, hein. Tébéré. Moi je passe à côté, autant le faire tout de suite. Thank you.
Et un tombeau quelque part. D'accord, mais vraiment par hasard, je suis tombé sur un fragment de médaillon du Sphinx, quoi. Mais, par hasard, quoi. Bon, alors, t'as avancé, Romain ? Au revoir, Fred. Oui. J'avance tranquillement. Tranquillement, il y a beaucoup de choses à faire. Là, je viens de trouver l'Atlantide et il faut que je trouve des reliques pour ouvrir l'Atlantide. Le problème, c'est que les reliques, elles sont divisées en deux à chaque fois, donc et j'ai aucune indication où les trouver. De toute façon, c'est aussi complet que l'origine, hein, à mon avis. C'est le même genre. Hein. Ah oui. Parce qu'il y a l'engouement sur la Grèce. Quel niveau tu es là? Là je suis niveau 30, j'arrive sur le niveau 35. Ah quand même. T'as combien d'heures de jeu là? Je suis à 36 ou 37 heures, je sais plus. Et je dois être à la moitié du jeu sur l'aspect principal uniquement. Mais... Après les assassins, ce qui est bien, c'est Platini. Franchement, Platini assassin, c'est le top. Ah, celui-là, je le ferai pas. Il est trop technique à platiner. Non, c'est pas que c'est technique, c'est long. Ah, celui-là, il est technique, celui-là. À platiner, il est chiant. C'est quoi les défis? Je sais plus, mais il y a des défis d'assassinat assez complexes, j'ai vu. Puis après, ça dépend aussi des choix que tu fais dans l'aventure. Donc si tu fais pas le bon choix au bon moment, t'es obligé de te retaper l'histoire. Quoi. Je peux te dire que si, je l'ai fait, Unity, mais je l'ai pas platiné. Ouais, mais voilà, donc, alors c'est vrai que t'as fait le jeu. Bon. Par contre, quand tu veux platiner, t'as des défis qui sont assez chelous. Hein. Je me rappelle plus trop l'ordre des défis, mais des fois, c'était très compliqué. Hein. Les assassinats, il fallait les faire dans un ordre bien défini. Il fallait pas être opéré, il fallait. Voilà. Mais bon, après voilà. Moi je platine que les jeux qui. Voilà, qui avec qui j'ai un engouement à platiner. Celui-là je l'aurais bien platiné, hein, mais trop. Trop complexe, parce que du coup, il y a des trucs qui dépendent de tes choix. Donc si tu fais un. Si tu fais un mauvais choix au mauvais moment, t'es obligé de refaire l'histoire pour que réimposer le choix en fait. Donc bon, déjà je vais le finir parce qu'il a l'air assez long. Après on verra. C'est le. En termes d'histoire, celui qui m'a bien plu aussi, celui des États-Unis, là, le Assassin's Creed 3. Donc celui-là, j'essaierai peut-être de le platiner. C'est pour ça que je l'ai repris. Mais pas celui-là, celui-là est trop complexe. Ah bah justement.
Le défi est là. Faire un platiner complexe, c'est mieux que platiner un plus facile. Ouais, mais moi je platine les jeux que j'ai envie de platiner, j'ai pas. Je te pousse à la contradiction, mais c'est vrai que. Non, mais voilà. Parce que généralement les platines que je fais, c'est pas. Enfin, j'en ai eu des complexes à Tomb Raider, il était chiant, mais. Je platine quand j'ai vraiment envie de passer du temps sur le jeu. Là déjà, j'ai passé du temps sans forcément avoir. Sans forcément avoir besoin de platiner. Là, je suis à 35 heures, moitié de l'histoire. Pourquoi tu perds des crans de vie là, sur Origine? Je comprends pas pourquoi j'ai plus de vie. Regarde si c'est pas dans tes équipements. Si t'as pas un équipement qui te donne moins de vie mais plus de résistance, un peu comme ça. Il y a ça aussi. Hein. C'est la Saris alors, c'est ça? Tu regardes, c'est dans les. Ouais, d'accord, hein. j'ai pas changé grand chose, hein. J'ai changé plus d'armes. Des fois, ça peut être des armes aussi, hein, des équipements surpuissants et. Regarde, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est que des fois, ça te donne plus de force, mais t'as moins de vie. Bah oui, mais je te sauvais rapidement, putain. Oh, merci. Quel coup, oh. Je te jure, les mercenaires dans celui-là, c'est des Jackie Chan, quoi. Ils te font des triples saltos arrière et tout pour t'attaquer, là. Ah, c'était un adepte. Ah, je l'ai eu cette poufiasse, c'était un adepte. Parfait. Ça tombe vraiment bien en plus, c'est parfait. Yes, je vais avoir toute la tenue d'Achille bientôt. J'ai la ceinture d'Achille aussi. Je vais avoir toutes les. Il faudrait le casque d'Achille. Donc le casque et les brassards, c'est ça? Non, je les ai peut-être les brassards, tu me diras. Mais non, ah non.
Ça c'est fait. D'accord. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir des armes plus puissantes si après tu enlèves de la vie, donc ça va être mon con. C'est des bonus malus, c'est le principe de tous les RPG en fait. Faut sacrifier une... bonus malus. Ça va faire rire, t'as dit. Non mais c'est ça en fait. Tu sacrifies voilà, du coup un ça, atout pour, vrai, pour un autre. Ouais, mais enfin globalement ça s'équilibre à... Voilà, c'est un équilibre... inutile, c'est juste question de dire que tu utilises une arme parce que voilà. Où j'ai aucun avantage. Donc, ça m'a je pensais. Bon, écoute, c'était mieux avec l'autre. Hein. Avec l'autre épée. Donc, comme quoi. Par contre, on peut les améliorer les équipements après. De quoi? Tu peux améliorer les épées. Oui, tu peux. Tu vas aller au forgeron, mais je te conseille de le faire que pour les jaunes. Ouais, c'est une jaune que j'ai là, mais elle est niveau 10, mais par contre, bon... T'as une arme jaune de niveau 10 et t'as un perso de niveau 20 et quelques? Ça fait longtemps que je l'ai, celle-là, je l'ai gagné quasiment... Non, mais je veux dire, si tu joues avec une épée de niveau 10, c'est normal que du coup tu te fasses un peu latter, du coup, si ton épée elle est en dessous. Ouais, et ouais, mais du coup, j'ai que celle-là. T'as pas gagné de violet, ni de bleu, ni rien entre-temps? Si, des violets j'en ai, ouais, des violets j'en ai, elle est très bonne, mais... Voilà, mais celle-ci, a priori, tu vois, elle inflige de très gros dégâts. Mais bon, comme elle me donne des pénalités à l'arrivée, ça me sert à rien. Voilà, elle me fait des pénalités parce que je me retrouve... C'est ce qu'il faut faire, c'est un peu comme un Destiny, en fait, sur la même base. Il faut que, le temps que tu montes de niveau, tu prends les premiers équipements qui viennent, et quand tu auras un niveau stable... Ouais, je les ai jetés. Moi, j'ai jeté, mais j'ai gardé que celle-ci, parce que c'était une exotique, quoi, l'équivalent d'une exotique. L'équivalent, je l'ai conservé. Bon, après, est-ce que ça vaut le coup de la conserver? Je sais pas, parce que... De toute façon, tu peux pas les... normalement, tu peux pas les casser, les jaunes. Elles restent dans ton inventaire. Ouais, c'est ça, les marchés, ouais. Tu peux pas la garder, enfin, tu peux pas la sortir. Tu peux pas la jeter. Après, ça dépend des circonstances. Il y a des circonstances où, du coup, les ennemis sont moins forts, tu peux l'utiliser parce qu'elle fait... elle tape fort. Tu vois, ça dépend de plein de choses. J'ai une lance. Niveau 14, c'est pareil. J'ai une deuxième jaune, ouais, niveau 14. Elle est pas mal, mais bon. Aristarchus, je te trouve. Ah, il faut que je passe à autre chose, c'est pas la peine. Tu prends les équipements qui viennent et qu'on t'offre à ton niveau. Ouais. Et puis ouais. Tu prendras les jaunes. Moi, quand je serai niveau 50, je prendrai toutes les armes qui m'intéresseront et je les augmenterai au niveau 50 et puis comme ça j'aurai mon stuff. C'est 40 le niveau, on va réparer avec la fond, on a 40. Et j'ai vu sur internet, c'est pas 50. Sur Odyssée, c'est 40. Alors après, je sais pas si c'est niveau 50 maximum sur Odyssée. Ah non, 40. J'ai vu sur internet, il est plus niveau 40. Alors, ah bah t'as un trophée pour être niveau 50. Ah bah alors écoute, tu sais tous les trucs sur internet, j'ai ils ont le tour alors. La rapière est à 3, elle est à 40. Hein. Et j'ai regardé du coup. J'ai regardé effectivement, est-ce qu'elle me plaît mec? Après c'est pas parce qu'ils le mettent qu'ils ont raison. Hein. Laissez ce tentor aussi désemparé en l'air. Après ce qui s'est passé, je ne veux pas rester. Oh putain, je n'aurais pas mis des comme ça. Tu as... Je suis quelqu'un.
Je sais qu'il me hait quelque part. Adieu. Allez, un moustique. Ah, cette nuit, je me suis fait défoncer par un moustique, si c'est pas. Il m'a fait de piqûres au poignet, ça m'a réveillé. Qu'est-ce que j'avais mal. Je l'ai vu, ce gros porc, il était couché à côté de moi, là. Ah, il avait le vide, il avait du sang plein le vide. Je le voyais pas avec la lumière. Ah non, mais un truc de fou, hein. Il avait du sang plein le vide. Alors, ça c'est fait, il m'en reste un à tuer, je crois. Il est où ? C'est du sang, quand je l'ai éclaté, je te dis pas le, le meuble, il y en avait partout, quoi. Quelque part si
Ou 38. Ouais, il va me défoncer. Allez, pas de soucis. Je suis en train de me faire défoncer par un mec là. Moi aussi, un peu de con là. Bah ouais, mon gars, je suis un dieu. Bah non, je crois pas, mais. Oh putain. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui fait mal? Oh là là, quel... Ça grosse soin. Non, putain de ta mère. J'espère que ma sauvegarde était pas trop loin. Voilà. Oh putain, il a fait me crever. Non. Ah, je vais m'en occuper après. Oh, t'es sérieux là? Oh, ils ont niveau 30 les gars. Non, mais là c'est n'importe quoi.
Non. Oh, ça c'est abusé. Quel PD. Oh, le fumier, il a failli me coincer là. Quoi, il a tapé aussi fort hein. Voilà. Allez, bon putain, mais c'est pas possible. Quel blanc. Ah, oh, ça c'est... Il va voir. Oh my. J'ai pas les bons combos. Hein. Yeah.
Oh. Oh mais qu'est-ce qui me lance ce con ? Ah ça y est, j'ai eu, bâtard. Retournez voir Stentor. Il est où Stentor? Il est là. Alors, je vais faire autre chose. Je vais pas jouer pour faire le jeu là, je vais jouer pour faire des. Ouvrir les zones. Quand je vais ouvrir les zones, ça sera plus simple. Ouais, après j'en suis venu à la conclusion que si tu... Moi c'est aussi, j'ai commencé à faire comme ça, d'aller chercher chaque truc pour débloquer un voyage rapide. Puis en fait, tu te dis de toute façon que tu perdes du temps à le faire d'un coup ou que tu le fasses au fur et à mesure. Ça change pas. Ton problème de genou là? Moi j'ai mon kiné là tous les matins, mais j'ai des douleurs un peu. Mais bon, ça va, c'est pas non plus. C'est pas, je suis pas l'article de la mort. Il y a des jours avec et des jours sans, mais. Puis bon, le kiné ça fait mal aussi, mais c'est fait exprès aussi. Pas de temps à perdre. Sparte doit s'emparer de cette région.
Alors, finis-nous de t'entendre. Non, je crois pas. Il y a des balèzes. Putain, mais salope, qui me casse les couilles, elle. Franchement. Je ne sais pas si c'est là encore.
j'ai pas fait la première mission du jeu. Quel temps. Pour récupérer tes gaz. Ouais. Bon, c'est plus sympa d'avoir un chameau. Parfait ça. Dommage, je me l'ai enlevé. J'en saurais davantage aujourd'hui. Arrête. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. C'est moi qui commande ici. Tu avais besoin de mon aide. Par les dieux, ce que tu peux être arrogant. Tu ne sais rien. Je sais que tu as lancé cette falaise. Et c'est moi l'arrogant. C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, nous allons chercher les Indiens. Stop, tu... Il m'a eu ce con. De retour, il m'a buté. Je pensais que j'allais le buter, non mais c'est lui qui me bute. Alors, qu'avons-nous là? Ok.
Améliorer la lance, non. Moi, le désert. Non. Non. Le désert, le désert. Sont en Arcadia. Et on va pour l'Arcadia. Arcadia, qui est... Où es-tu, Arcadia? Là. Je sais pas pourquoi je sens que la fin de ce jeu sent bien la tragédie grecque. Je pense qu'on va se tendre vers une bonne vieille tragédie grecque, vu comment le scénario y tourne. Pourquoi? Yeah.
Qui es-tu? Moi, personne. Mais toi, tu es encore plus divin que Brasidas. Tu te crois Brasidas? Le guerrier cherche le puissant guerrier à la lance brisée. Oui, Brasidas s'y connaît en matière guerrier. Et je te promets que je vais être bien sûr. On devrait jouer, Brasidas. Ah, ça, je veux bien te croire. Et la femme? Attends. Elle te ressent. Dis-moi où vous allez. Oui, d'accord. C'est pour ça que Brasidas va payer. Alors, qu'est-ce que tu attends? Il ne m'a pas... Mais tu vas bouffer, oui. Arrête, je t'en fais rien. Mon histoire, dis-moi où oui. Il a dit que tu avais un sac. Alors, que me reste-t-il pour ma région à découvrir dans ce... Dis-moi où je t'entends, oui. Ah, ils sont sur une colline, une falaise à doute. Lasagne. Où
Findus, tiens, je vais appeler Findus, mon cheval. Phallus. Findus. Ah. Findus. En hommage à notre petite polémique des lasagnes de chevaux. Les dieux soient de votre vie, nous avons avoué. J'ai reçu le message. J'ai tué le message. Il t'avait trahi, Tidarsas. Les membres du culte dont Myrin m'a parlé, ça savait que tu viendrais. Et on lui obligé la grosse à mettre la tête. Mais il va être difficile de faire confiance en ce qu'on a dit. C'est pourquoi la tête de l'Armand doit finir sur une politique. Ça enverra un message clair et rentrant d'un royaume à ses papas. Tâchons d'en savoir plus sur la situation. Il est possible de régler l'action de la Lagos sans son. Excellent. Nous devons redresser ce comme tout le POP du Magmanion. Je tâcherai de résoudre. Quoi qu'il arrive, il nous faut la Lagos vivant. Arcadia est renouée à l'aider par là. La Lagos est un jour à 63 fois. Alors nous devons le libérer. Qu'est-ce qui se fait croire qu'il en a pris les menaces? Ça ne ressemble pas à la Lagos. C'est un propriétaire. On dirait que je suis arrivé. Assurément. Mais il est aussi temps d'en apprendre. Le plan de ma mère. Ah, mon enfant. Unique. Tu laisses tes émotions pris. Le sort de milliers de Spartiates dépend de la glace. Une ferveur qui est au nord de Tegea qui servira de réjouir. Retrouve-moi là-bas avant la et si le plan d'Andrasa se joue, l'arc est un lâche. Il dirige forcément. Tu ne risques pas de rentrer dans leur. Tu peux aller avec les bébés, même alors, ils devront avoir bien cette. Il a des casernes en random et des îles de ce dommage qu'il leur aura. Je vais aller voir ce que prépare. Bonne chance, maintenant. Tu ne me prends pas. Ce n'est pas une question de feu. C'est bien ça. Oh, 2000 mètres. Ils sont pas de ma gueule, lui. Findus, en route. Ouais, je savais que t'allais dire ça. Hop. On m'attaquera sans poser de questions. Mieux vaut se faire discret. Thank you.
Magnifique ce jeu. Ouf. C'est plus un fort là, c'est... Oh, déjà? Ah merde, quel con. Merde, j'ai alerté tout le monde, putain, c'est pas possible.
aller chercher ton patron, hein, c'est pas grave. Ah, dégage! Putain, c'est pas possible ça! Putain, foutez-moi la paix, bordel. Il est mort. Voilà qui complique les choses. Un adepte de moins. C'est simple, au contraire. La gosse a été un ami d'elle. J'aurais trop l'arbre. Désolé, Zidas. Mais en rejoignant le culte. Si seulement tu avais suivi mon conseil comme tu l'as fait avec le magicien. Je n'obéis à aucun ordre. Je fais ce que j'ai à faire. Alors, ne parle plus. J'imagine que tu es. Tu as raison. Nous avons fait ce que nous voulions. Il est bien. Irin, tu es toujours aussi déterminé. Je suis la mort de la gosse. Impose de prendre des mesures. Arcadia n'en peut rien. Alors, on reprend la route. Merde, j'ai pas mis d'aigle à Sparte. Ah, quel con. Eh ben, tant pis.
Si à construire autant de bateaux qu'ils veulent, Poséidon ne les favorisera jamais autant, etc. Le cheval automatique, qu'est-ce que c'est bien par contre des fois. Ouais, ouais c'est pratique. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment mis à leur paroxysme le monde là quand même. Si vraiment c'était comme ça la Grèce antique, je veux dire qu'ils étaient bien plus forts que nous hein, en termes d'architecture. Ah ben déjà tu vas à Rome, tu verras. Tu vas en Italie, tu auras un aperçu parce que c'est vrai que quand les gens te racontent, ça n'a jamais la... J'ai fait l'Italie. Alors après, il y a des belles architectures, mais là, tel que c'est présenté en fait dans le jeu, avec des statues tous les deux mètres, des trucs comme ça, ça me paraît peut-être un poil beaucoup. Ouais, non, pas vraiment, parce que quand tu vois Pompéi, toutes les rues, tout était des fresques partout, des voûtes, des. Après, t'avais. Après, il y a un peu d'exagération, j'imagine, d'imagination. Parce que bon. Après, t'as eu beaucoup de concentration d'œuvres. Athènes, l'Acropole, etc. Toutes les cités, Sparte. Donc, ça, c'est un peu connu. Mais après, bon, dans les campagnes, ça devait être comme partout. Hein. Parce que Sparte est magnifique, hein. Si vraiment Sparte se ressemble à ça. Ou en tout cas, s'il reste des vestiges de ce que. Pas grand chose comme vestige, je sais pas. Hein.
Je suis là pour affronter les rois. Tu es prêt à réclamer les terres? Bien sûr. Mais mon principal... Tu fais la fierté de ta dame. Mais es-tu sûr de repasser les preuves pour le gros? On ne peut pas accuser un... Je suis là pour affronter. Bien sûr. Tu fais la fierté. J'en suis sûr. Je préviens les efforts et te retrouve dans la salle à gauche. D'accord, je tiens. Pourquoi ce retard? Désolé, c'est à ton moment. Tu as convoqué les efforts? Tu as dû parvenir à tes fins pour réussir à réveiller cette béate. J'ai rapporté à Sparte. Mais qu'est devenu Nest? Il a eu un accident. Les choses se sont. Qu'en est-il de la Béotie? Je t'entends, moi, mon défait, les forces. Tu n'as que de bonnes nouvelles? On nous a parlé d'accusations sérieuses. Accusations? Oh, voilà, je sais pas, moi. C'est un membre du culte de Cosmos. Qu'en penses-tu, Avec ces mérites, les achats, vos noms sont maudits. Très bien. Dommage, tu n'es pas dans le masque de Cap Canoir de sauver cette fois. Tu es là-bas? Alors, c'est lui, le roi vendu. Il faut s'en occuper. Arès m'a choisi pour mener les Spartiates à la gloire. Il ne peut y en avoir qu'un.
pu changer quelque chose. Et pas de preuves supplémentaires. Bah, ils sont des chasseurs de primes, là. Hein. Ah, ils sont chiants. Hein. Dès que tu... je suis passé dans l'herbe, là, il y en avait un qui était planqué. Oh, putain. D'accord. Zania s'appartient au culte de Cosmos. Je vais devoir le tuer moi-même. Oh la vache. Il me fait repartir deux derrière, c'est bon. C'est énorme. Garde dans les environs.
Allez, c'est pas le moment là. Saloperie. Pégé là. Ah là là, putain, c'est pas mon jeu, c'est pas le moment. Va te faire foutre, toi, je te dis. C'est une société secrète dont le but absolu est simple. S'emparer du pouvoir. J'ai peine à croire que vos adversaires se tuent par part dans tout ce temps. Vous avez demandé aux efforts de confirmer mes délits. Ah, c'est une ville. Si c'est vrai, vous pouvez rien régir, on dirait la ville de Rome. Merci, merci. De manière beaucoup plus réduite, il y a des statues partout. Je ne suis pas fait pour ça, tu verrais là. Dans une ville, il y a de l'architecture de partout. Ouais. Je ne sais pas si c'est la cette région. Oh, sans doute. Elle est splendide. Des palais de tous les côtés, je me laisse véhiculer par le chef. Par le chameau qui m'emmène. Statue sur statue Porsche. Tu sais que dans Origins, ils ont mis un mode de jeu où il n'y a pas de combat, il n'y a rien. C'est une espèce de visite guidée touristique. Ah ouais. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, le bus de machin ou je sais plus quoi là, mais c'est. Pourquoi quelqu'un l'a fait ? Il est dans le menu. De quoi ? Tu l'as dans le menu ça ou c'est. Je sais plus, je crois que c'est dans le menu, ouais. Faut regarder, alors est-ce que c'est pas un DLC qu'il faut. Je sais plus. Le fait de nous revoir doit être rappelé, c'est pas moi. Ouais, parce qu'il y a eu quelques DLC quand même. Et quand je vois le jeu comme il est, je me dis le DLC. Bon, après, c'est si il y a un mode zombie, ça peut être sympa. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Je dois me rendre à Pilos aussi vite. Je crois que. Je serais ravi de rendre service. La gloire, c'est sûr. Les Athéniens repoussent les Spartiates en ce moment même. Tel terre serait. On dirait qu'une toute de l'ardeur des guerriers sont toujours aussi rebroussées. Oui, si l'on en croit les rumeurs. Une force de la nature dans l'enveloppe d'une mortelle et à laquelle aucun seul soldat. Déimos et Pylos. Je t'attendrai au navire. Mais fais vite, chaque instant. Cassandra, tu dois absolument la ramener. La ramener ? Nous avons retrouvé mon fils. Nous redevenons mon milieu. Je ferai ce que je pourrais.
Elle a passé trop de temps au cul de cosmos. Mais ça ne doit pas nous empêcher de... Mais si je ne parviens pas... Alors nous aurons essayé. Nous l'avons mort pendant 6 heures. C'est vraiment possible. Bon. Sois prudent. Ah, saloperie de ta mère.
Les yeux fermés.
propreté, je peux tout faire jouer. Logique. Allez, moi je sauvegarde là, puis je m'arrête là. Bon, je sais pas quelle heure il est. Il est 23h15. Bon. Impeccable.